Salutations YouTube, nous jouons Isaac. Alors, y a des VOD en attente. Hein. Faut que j'envoie un message à Atomium là, je vais dire. Hein. Mec, si t'as plus le temps, dis-le moi, mais. Parce que là, on bourre. Hein. On bourre, y'a un catalogue qui se crée là, on a du retard. Isaac donc en Tainted. Au secours, donc on le rappelle, Tainted Isaac, il a le droit qu'à 8 objets pendant toute sa run. Alors ensuite, il y a des petites astuces hein, de souvenirs lointains. Déjà, on a le choix entre deux trucs. Et quand on a des bouquins qui font du HP up ou des conneries comme ça, on garde quand même l'avantage des HP up, etc. Si on pouvait éviter le Burning Basement, sauf s'il y a une dinguerie là. Mais non, mais c'est de la merde. C'est de la merde, mais j'ai pris tout de suite parce que j'ai eu peur. Oh, le sale bail. Ah si, on se protège, mais... Ah, pourquoi... vu que c'est un actif, ça compte pas. Et pourquoi pas. Shade qui pue. Vous connaissez Shade qui pue? Regardez. Regardez comment il pue. Eh, hey, il fait le taf, hein. Vas-y, vas-y. Poursuis-le. Bravo. Oh, bravo, Shade qui pue. Oh oui. Pourquoi je commence ça? Je sais pas. Parce que j'ai le Book of the Dead. Book of the Dead, c'est un... C'est un banger. Un banger, you know. You know the bangers. On va dire ça. Oh, il s'est donné le petit squelette, hein. C'est le run des petits amis. Échelle de corps. Moi j'y crois. Hein. Magic Mushroom. C'est réglo. Oh! Et ça, c'est pour avoir un objet gratuit. Alors que le family est plus le sexe. Mais il avance sur Conjain, le family qui est plus le sexe? Oui. Oui, mais comment ça se passe? Si je le relâche dans la nature. Parce que j'en veux plus parce qu'il pue. Ça, je garde quand même le stack de Conjoined. Je me souviens plus. Il était buff le King Baby. Ah non. King Baby c'est OP, mais qu'est-ce qui a changé? Parce que c'était vraiment de la merde en market. Hein. Faut les trois en même temps, et bah dommage. J'aimerais bien comment qu'on... Moi je veux qu'on m'explique pourquoi King Baby c'est pas de la merde maintenant. Parce que là c'est pas clair. Tu gardes que les HP après, c'est ça. Seul il pue, oui, il faut des copains. Ouais mais bon, si on joue Conjoined, bonjour à misère sexuelle. Hein. Bon par contre, même si je garde pas les familiers... Enfin, même s'il me faut 3 familiers pour faire Conjoined, on est d'accord qu'une fois que j'ai eu Conjoined, je peux les lâcher mes familiers. On peut pas se détransformer, hein, de souvenir. Oui. Très bien. Bravo. Bravo la team. Ah oui, c'est vrai que j'ai le trinket champignon. Les effets aléatoires de champignon. Ah oui, Shade, il va bien me servir là. Voilà, poursuis-le. Non, non, fais le même chemin que lui. Sublime. 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 Oh, Shade, MVP, hein.
Un cœur d'âme avec la clé et deux clés. Ou bien le tropicamide, qui est pas vraiment du dégât alors. Porter 1.5 et augmente les larmes. Ensuite, on est bien content d'avoir un soul heart en vrai. Peut-être acheter le soul heart en plus aussi. Qui l'eût cru, Carry par Shade? J'aurais pu acheter le Dreamcatcher en promo pour éventuellement jouer le Planétarium. Ah, surtout qu'avec lui, le Planétarium, avec deux choix au lieu d'un, ça aurait été pas mal. Peut-être il fallait prendre le Dreamcatcher. Dommage. Oui, pour l'instant, King Baby, le PNJ, hein, le PNJ ultime. Le PNJ donneur de quête. Sa quête, c'est trouver d'autres compagnons. Oh non, pas les mouches. Oh, je la sens bien, cette game. Parce que la dernière fois qu'on a joué, ça avait été calamiteux, hein, de souvenir. C'est nul ça, le cœur vide. Alors que Pyromanie. L'assassin symphonie. Pyromania qu'on aime bien. On n'a plus peur des explosions et des écrasements. Les explosions nous soignent. Oh là là, il y a tellement une échelle de corde dans ce niveau. Petite bombe dorée là. Comment il reroll l'item de la pièce? C'est le personnage qui fait ça. C'est Tainted Isaac. Il n'a le droit qu'à 8 objets, mais au moins il y a cette dynamique de... d'objets sur piédestal où on a deux choix. Cette mécanique. Pas dingue. On s'emmerde. Ah oui, non, peut-être Pyromanie fait pas les écrasements également, ouais. Peut-être le host hat et... Mais non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était censé me carry, faux frère. Oh, attends, je vais avoir la charge là. J'espère que j'ai la charge. Ça compte pour deux charges, ça, oui. Parce que là, on a un très très beau Book of the Dead sur cette salle. Il y avait beaucoup d'ennemis. Very nice Book of the Dead. Oh, je suis une merde, officielle. Oh non, j'ai pas la charge. Ma vie pure sexe. Ah, c'est bon, il y a plein de petits caca. Pardonnez. Pardonned. Oh, Shade! Tu nous as habitués à mieux, voilà. Ah, quand on se fait carry par Shade, c'est vraiment pas bon signe. Merci. Merci beaucoup, Elter Rockbar, pour... Oh! Pour les 1000 bitcoins, c'est énormément. Énormément. Ah, là aussi, c'était une bonne room à... À Book of the Dead, mais he's okay. Allez, Shade. Quel feinteur. J'ai pas trouvé de secret du tout là. Est-ce qu'on s'y intéresse peut-être? Oh oui, Shade! Le bouclier, Aegis! Oh Shade! Quel bro! Moi j'ai envie d'y croire. Merci à tous. Ah, Gurglings. En théorie, Gurglings, c'est pas mal, non? Oh, oui!
Oui. Oui. Le jus de Jésus. Je prends le Rotten Heart, je pense. Est-ce qu'on joue... Devil Deal. Alors j'ai des cœurs. Ensuite, vu qu'on a des slots limités, faudrait trouver un truc vraiment énervé. Typiquement Godhead Sacred Heart, non? Oui. Salut Salza. Book, non, pas terrible le bouquin ici avec deux Gurglings. Ah oui, et j'ai Pyro. Ouais, bon, vas-y. Tentons la God Room. J'ai beaucoup de Soul Heart en plus. Donc en théorie, je devrais les toucher. Grande salle pour beaucoup d'ennemis. Ah, je sais plus si les adds comptent. Parce que là, ils sont que 3. Mais avec toutes leurs mouches à merde, ils sont beaucoup. You know? You know the mouche à merde? On va le savoir assez vite. On va voir si c'était du génie ou de la merde en barquette. J'ai déjà ma petite idée, mais... T'emmerde pas, hein, surtout, hein, touche personne. Mais oui, Mother! Mother dans le cul! Quel idiot! Si je voulais faire Mother, fallait que j'aille... dans les égouts. Bon bah, The Beast, hein. Ok, ça marche. Pas cher payé. Ah, c'était une bonne salle à book, ça aussi, mais c'est ok. Là, on est bien. Défensivement, on est au top. Maman, quoi. C'est chiant. C'est chiant. C'est nul. Ah, la gomme. Jamais utilisé la gomme alors qu'il y a des sacrés dingueries à faire avec. C'est quoi le meilleur ennemi à effacer si on a la gomme? Les mouches ou les araignées? Ah, j'avoue. Ça prend toute la famille des mouches? Si ça prend toute la famille, pourquoi pas? Si ça en prend qu'une couleur, c'est pas terrible. J'ai pas mon bouquin là? Ah, c'était une bonne salle. C'est réutilisable la gomme? Non, c'est one time, hein, on est d'accord. C'est un objet à utilisation unique. Y a pas de charge. Oh non. Une fois par étage. Ah, pas si mal. Hein. Mais bon, j'ai le Book of the Dead. Oh! Oh, la belle prise. Voilà, une bonne salle pour mon bouquin. Parfait. Shade, fais un effort. Est-ce qu'on joue l'auberge? En vrai. Échelle de corde. Plus on joue pas maman, donc on a pas besoin d'être économe sur les bons. Ah, elle est souillée, donc il y aura pas d'échelle de corde, donc ma vie pue le sexe. Non, je veux pas utiliser la clé. Eh oui, le bourreau, je peux même pas utiliser. Tout est nul. Tout est nul, tout est nul. Et j'ai pas envie de jouer pilule, tout est nul. Oh, oh, la salle du cul. Merci le bouquin.
What? What? Ah, j'ai pas regardé l'émission de Zen d'hier encore, mais j'ai vu le clip des accents. L'accent cam. J'aime bien Zen. Ça me rappelle le climat plus léger des web TV et des émissions en 2014 sur Twitch. J'irai. Quoi, chez Zen? J'ai déjà fait Zen, mais saison 1. J'avais été sur une émission. Ensuite, ils m'ont proposé plein de fois de passer pour faire des sketchs, des conneries avec eux. Mais hélas, c'est le lundi, quoi. Donc le lundi, c'est ou bien il y a la soirée du lundi, ou bien il y avait FC Silmi, ou bien j'avais des trucs à faire, donc c'était chiant. Ah, déjà, on peut prendre le bouquin, c'est sûr. Et prendre le bouquin, ça enlève l'autre truc. Ah. Parce que moi, je me disais, j'avançais sur Bookworm. C'est pas grave, on a avancé sur Bookworm. L'accent Michelet, bien sûr. Les let's play problématiques. Bon bah go boss hein. Oh c'était un très beau boss à Book of the Dead ça hein, avec toutes les saloperies qui va spawn. On est triste. A little bit sage. On se serait gavé. Oh qu'il est chiant. Oh qu'il est chiant. Oh qu'il est chiant. Vous cherchez le DPS, moi aussi. Vous n'êtes pas les seuls. Oh, vas-y, je vais poser une bombe, hein, j'en peux plus. Hein. Voilà, typiquement, on est sur une partie typique de fucking Tainted Isaac. On se dit au début, c'est génial, on a un run. Et puis, au troisième étage, on se rend compte qu'on a 0 DPS. La dépression. ...36%, c'est 100%, absolument. La preuve tout de suite. Je serais d'avis d'aller voir ensuite ça me donnerait du DPS pour faire les anges mais en fait ça serait chiant de prendre le caillot de sang si jamais mes larmes ne sont plus des larmes. Collier de maman c'est pas dingue, ça donne un seul art toi. Pour cœur et le cup, allez. En vrai, c'est... ne pas avoir de dégâts, c'est assassin, mais. Oh, c'est pas fou, non? Entoure Isaac de deux auras qui infligent des dégâts, oui, c'est vrai. Leur intérieur fait plus mal. Ensuite, on a de la chance, parce que là, on a déjà deux objets. On a quatre objets au choix et on n'a pas de dinguerie, quoi. On est bien d'accord que monstrance c'est mieux que le cercle, non? Item martyr plus pyro égale game break. Pourquoi? Pyro me fait pas de dégâts donc ça va pas alimenter le martyr. Habite pour charger le boucle. Le bouc, ouais. Parce que ça, c'est vraiment défensif. Ouais, ça peut renvoyer des projectiles. Mais ça peut faire de la merde. La carte pour abuser des DD.
Oui, mais j'ai pas envie d'avoir un autre actif. Mon Book of the Dead, il est très bien. Habit plus Book of Shadows. Oui, si je vais rechercher le Book of Shadows à l'item room. C'est vrai que, ouais. Ça serait bénéfique. Bon, on va quand même taper l'ange, mais ça a duré 150 ans, donc j'espère que vous êtes prêts. C'est quoi déjà les phases? Je sais plus. Ok. Ah oui, quand ils croisent le diagonale. Est-ce qu'on s'emmerde? Oui. Shade, je t'en supplie. Ouais. Ah, Shade, je t'en supplie. Ah, je le déteste. Voilà, vas-y. Encore. Faut que j'y garde des bombes quand même, hein, donc on va prendre notre mal en patience. Une hausse de DPS. Par contre, fais un effort, gars. Ah bah super. Il a fait l'effort, en effet. Ouais. Je suis une merde, officielle. Est-ce que je m'emmerde? Absolument. Est-ce que je vais toucher les monstres un jour? Plus Book of Shadows du coup, non? Parce qu'avec l'item martyr, ça va partir très régulièrement. Fuite Book of the Dead sert plus sur les stages. Mais bon, Book of Shadows, ouais, vas-y. Trois charges, c'est gratos. Hein. Shade est dead, il revient, non? Il va respawn au bout d'un moment, comme Bob's Brain. J'en ai aucune idée. Et si peu utilisé Shade. Double clé. Salaud trésor de la déception. Ah, peut-être pas. Ok, Two of Clubs, a Judgment. Oh, très bon. Two of Clubs. Y a toujours le bail de jugement en God Room, en Devil Deal, c'est mieux. Mes couilles, je sais plus. On pense à eux en tout cas. Le DPS vous manque. Ah oui, j'espère que Shade il va revenir parce que sans Shade j'ai vraiment 0 DPS. Mom's Bra. Ah, Bookworm. Mom's Bra pour avancer sur la transfo de Mom, mais on s'en fout. C'est clairement un Book of Anarchy. Bookworm, des fois en double shot. En plus, j'ai 2 de luck, c'est pas si mal. Hein. Dommage. Ah oui, c'est vrai que j'ai Pyromaniac, donc on pourrait spammer du Book of Anarchy, mais bon, il se charge pas si vite que ça. Et voilà, c'est quoi les charges? 3, 4, 3. Ah du coup, ouais. Ouais, allez, pourquoi pas. Échelle de corps là. C'était super.
toujours ce familier qu'on déteste, hein, qui nous sert à rien. Quoi? Le mec regarde pas. Idiot. Les pactes avec le diable ont 50% de chance de coûter de l'argent au lieu de PV. Ah bon, on joue Godroom, bruh. It's fine, it's fine. Aucun risque ne sera pris, l'emmerdement sera absolu. Allez, shop first. J'ai pas eu peur. Petite échelle de corde là, c'est pour vous hein, c'est pas pour moi. Ce build original. Putain, j'ai déjà cet objet. Ce build inexistant. J'y crois à mort. Treasure map, pas dégueu. Du mapping quoi. Jamais loin du mapping hein. Ah mais on veut peut-être faire jugement en secret room. Bon j'ai pas m'énerver. Oh là là, la Erki. Alors le problème de la Erki, ouais. C'est pas le meilleur perso pour la Erki parce qu'on peut pas cumuler 12 000 objets, quoi. Et avec The Beast, ça marchera pas. Avec Moiseur non plus, du coup. Mais si on est un gros connard, on peut prendre ça, essayer de faire, de cumuler un maximum de cœur et de synergie et de reset pour faire Mother ou The Beast derrière. Mother, ça marche ? Il y a un trophée ou un coffre à prendre après Mother ? Ah oui. Ouais, mais là, on va pas affronter Mother. Ah, Onu. Merci Onutrem, au raid, bienvenue. J'ai connu Trem, joué à Isaac aussi. Bienvenue, bienvenue. Mes excuses, hein, bien évidemment, de la part du comité de la team du lundi, hein, pour la manière dont Onutrem a été traité par les doyens du... Ah non, pas les doyens du coup. Par les piliers de barre de la team du lundi.
Bon bah j'ai la R-Key, mais ah, si on avait fait Mother, ça aurait été légendaire. Hein. Parce qu'on aurait pu reset derrière pour faire The Beast avec un build un peu établi. Tandis que là, ça pue le sexe. Hein. Ne mâchons pas les mots. R-Key avec Isaac, quoi. Isaac Tainted. Hein. Et en plus, j'avais Pyromaniac et Book of Anarchy, c'était parfait quand même. Hein. D'ailleurs, on va le prendre dans un premier temps. On n'a pas besoin de R-Key tout de suite. Mais non, putain, j'utilise quand il va se cacher. That's why they call me the merde. The merde embarquée. That's why they call me the merde. Ah, ça, c'était pas mal. Une catastrophe. Ah oui, j'ai les... Au secours. Oh là là. Oh, j'ai l'impression qu'on va passer un moment exécrable. Bah, super. Bah c'est bien nul. Lui on peut l'abandonner hein, je crois que c'est clair. C'est bien nul. Ah mais attends. La clé, on est bien d'accord que la clé... Ah si, ça donnait un de chance quand même, c'est le seul truc. Ah oui, j'ai pas fait item room, c'est vrai. Ouais, Shade il est jamais revenu hein. J'ai pas envie de casser la fête mais... Oui, All Bandage j'étais bien, mais j'ai pris la speed. Oh! Ouf! Deux beaux objets, hein. J'imagine que c'est Polyphème. Alors, item martyr, si je joue R-Key, j'en ai plus besoin. Mais ça va être poli, hein, je crois. Oui, achète. Oh, wafer, j'ai vu un wafer. Oh, c'est un wafer, hein. C'est un gros wafer à la place de Shade qui est jamais revenu. Ok. Oh, cet item room. C'est rare quand même, une petite item room qui donne Polyphemus et Wafer. Ego abuse des sacrifices. Ah oui, c'est une possibilité. Ensuite, faudrait quand même qu'on ait de quoi respawn du cœur bleu. Hein. Alors c'est une possibilité dans, bien entendu, dans la sacrifice room, mais c'est pas une science exacte. Oh, le tirade famélique. Oh. Oh, je m'ennuie. I am bored. Bored to be alive. Attends. Je... disons... Il y a l'échelle de corde là. Tout est pardonné. Hein. Merde. Ah, j'ai pas trouvé la secrète normale en plus. Je suis le bored. Allez! Merci. Et là, l'échelle de corde. Ensuite, on a eu la R-Key, on peut pas vraiment espérer beaucoup mieux, hein, mais... Ah, peut-être des cœurs bleus, là. Ah. Ah. Oh oui,
Oh oui, ah, oh, heureusement que j'ai le wafer. Sac à merde! Je passe un moment exécrable. Fine. Bon bah c'était bien nul. Ah non. J'allais tenter évidemment le beau jeu. Petit Magic Mush là. Inattendu. Un wafer polyphème, c'est pas mal pour faire un reset. Putain, mais quel dommage que j'ai pas pris l'étage de Mother. Dank Depth. Oh, le gros étage qui pue. On se fait évidemment un full clear de la misère sexuelle. Allez hop, 30 bombes. Ah, ça peut être en haut. Hein. La secret room. Bon, allez, j'ai 30 bombes. J'ai quand même commencé à piffer. On va pas être trop. Hein. Ouais. 30 bombes. 30 bombes avec Pyromaniac. Ça fait plaisir, mine de rien. Hein. Faudrait que je me fasse une armée de cœur rouge en fait. J'aurais dû prendre le vieux bandage, le vieux pansement. Là j'ai heal infini. Hein. Si j'ai 30 bombes et plus de 6 cœurs rouges par exemple. Réel. Il a dit les termes. Chacal. Erki, mais c'est quoi ce poulet? Merde. Attendez, je me concentre. Putain, quel connard. Non. Ah, Karmaed. Oh non, plus qu'un cœur bleu, c'est nul. Aïe, aïe, aïe. Finito la masterclass. Ok. Bah c'est pas si fou que ça. Hein. On a certes beaucoup de dégâts, mais un tier rate... De tortue shootée au Tranxen. Ah! Acide sulfurique, c'est sulfureux. Ensuite, les larmes corrosives, bon. On a plein de bombes. C'est quand même un mini-up de dégâts, mais c'est du tier rate qu'on cherche, c'est pas des dégâts. Donc, c'est assez globalement à chier. C'est du tier rate, ça? Ah non, c'est de la portée et de la chance. En fait, je suis même pas sûr d'en vouloir de cette chiasse. Hein. La clé donne un luck aussi, non? C'est le même principe, mais rien d'autre. Bon, soit. Enlève la carte, non, le mapping c'est pas mal. Hein. Là, je m'en sers pas, mais. Putain, je fais gaffe à rien de ce que je fais! Ah, puis j'ai eu le champi qui m'a rendu mini avec plein de speed, je m'y attendais pas. Le pendu. Triple tir, tue un ennemi, fait apparaître une pièce persiste pendant 60 secondes. La batterie. Ah, le sac à dos. Ah, mais le sac à dos, il va compter dans mes 8 objets, le sac à dos. 8 objets, parce que le sac à dos, c'est...
C'est banger. Mais on va compter quoi. De toute façon j'ai plus d'argent là. Rare. Nous avons pas joué les pilules, hélas. Ah oui, il y a eu le double tir. Oh attention, oh la masterclass. Je crois que c'est le clutch. Ah, homing. Sur les économies, King of the Con. On se fait des couilles en or avec le pendu, donc essayons de tracer. Il continue à tirer. Putain, mais j'ai plus de cœur, je suis vraiment le roi des cons, c'est... On sait pas qu'il continue à tirer. Il a dead ça, le chacal. Bon, j'ai fait le boss. Faire le boss. Mieux vaut maintenant que plus tard. Mais j'ai plus mon truc. C'est déjà finito. Oh, il balance du poison en plus. Oh. Un cœur noir, portée, vitesse des tirs. Ouais, enfin shot speed c'est à chier, c'est pas du tir speed, ouais, tir rate. On avait dit qu'on voulait des cœurs rouges, hein, back in the day. C'est un devil deal, les fils de chiens. Je l'ignore, non? Ensuite, je peux rentrer et regarder. Ça va pas du tout impacter... Oui, oui. Ouf. Oh, j'ai vu... Ouf. Ça fait réfléchir. Oh, l'incubus, là. Sinon, je prends Incubus et Spirit of the Night. Je reset et je commence avec un demi-cœur bleu. Ah oui, ça m'enlève les Godroom Forever. Oui, je pourrais aller Angel Room avec la Erki. J'ai toujours un cœur rouge dans le boss. Non, parce que je l'ai pris le truc. Après, il remâche plus. Et en vrai. Oh, la masterclass. Je reset ? Je peux pas faire double objectif parce que là on peut plus aller sur Mother et The Beast, le jeu se termine automatiquement. Mais non, je prends pas Spirit, non, arrêtez vos conneries. Non mais si je prends Spirit of the Night, j'ai un demi-cœur bleu, non, c'est une connerie, vous êtes vraiment des salauds.
Par contre, on n'est pas obligé de reset tout de suite. En fait, si j'avais trouvé d'autres cœurs bleus sur la map, j'aurais pas dit non à prendre le Spirit of the Beat. Et là, la France a peur. C'est une masterclass. Cœur noir. La roue de la fortune. On se casse, hein. Ouais, je peux aller voir s'il y a des cœurs bleus et puis reset, quoi. J'ai un plan. File-moi des cœurs bleus, saloperie! Il est où le poulet? Le diable. Ah, Hierophant à la limite, mais... Oh, le flop. Ensuite, il y a Judas Shadow, mais si je fais Judas Shadow, je retourne sur les challenges de Judas. Attends, parce que selon les patchs, ça changeait à chaque fois cette règle. Oui, c'est bien ça, ouais. Ouais, je me casse. Nouvelle règle. Chocolate Milk. Chocolate Milk avec Polyphème. Alors, quoique mon tir rate est ok maintenant. Je pense que j'ai pas besoin de Chocolate Milk. On va prendre le cœur. Oh putain, c'était cœur first item. J'aurais pu prendre Spirit of the Night. In Sacrifice Room, oui, j'ai vu. Oh, avec un cœur bleu. Et Wafer. Attendez, il y a peut-être un bail. Faut faire attention parce que mon cœur pourri, évidemment. Kensa! Oh là là, le tirade plus 1. La masterclass, Harry. Oh, le Steam Sale! Burstright? Plus 4 emplacements d'objets, what the fuck, bruh? We have a game. Alors, qu'est-ce qui est le plus chiant à faire, Mother ou The Beast? En gros, on va pas pouvoir choisir les deux, sauf si on drop une deuxième Erki. Mother qui est grave chiant, on est d'accord. Hein. Je crois que c'est un banger. On va faire la Sacrifice Room. Petit Magic Mush là. Au calme. Oh, le premier étage de Zinzito. L'argent probablement, non? L'or je laisse et un œil sur deux, ouais, ne s'applique qu'à l'œil droit. Ça on le laisse. Ma money, hein. Ma money. Ah, quoique, ensuite, maintenant, j'ai plein d'objets, donc leur gelée, c'est pas si déconnant. J'ai qu'un œil. Ah mais oui, du coup, ça sert à rien. J'aurais dû prendre le pognon, that's why they call me the king of the booths.
Oui, je sais qu'il y a un cœur bleu. Bon, c'est parti. Ah oui, j'ai Wafer. Banger. Je peux avoir 12 objets parce que j'ai acheté le Birthright au magasin qui permet de débloquer des pouvoirs supplémentaires sur les personnages. Et en l'occurrence, celui de Tainted Isaac, c'est d'avoir 4 slots en plus. Pas de TP. Allengel Room. Allez, un objet angélique, 33%. Eve Mascara, c'est Angel Deal. Alors, si je prends Eve Mascara, j'ai 32 de dégâts. Mais je tire une fois tous les 55 ans. Il y a un choix à faire. Sinon, Relique fait apparaître un Soul Heart toutes les 7-8 salles. Ah oui, avant, c'était 5 salles. Hein. Ah, c'est Curse. Ouais. Ah oui, c'est que 1 sur 2. Ouais, on va prendre Relique. Hein. Mascara, c'est troll. On n'a pas besoin pour le DPS. Hein. Oh, j'aurais pu me soigner avec les bombes, j'avais oublié. C'est fine. Bon, on se prend la clé complète des God Room tout de suite. Du coup, c'est tout. Ah si, il y a des Soul Hearts possibles. Ah, ça serait bien les Soul Hearts, a priori. Là. Alors, 30 pièces ou 7 cœurs d'âme, 50-50. Let's go. Alrighty. C'est le poulet, c'est quoi ce poulet? Ce sera le nom de la VOD, je crois. On peut aller tout de suite. On peut tout de suite aller là-bas, comme ça on n'oublie pas. Ah oui, cœur rouge, oui. Oui, c'est vrai. L'opti à fond, hein. Ah, la VOD, elle va durer 55 ans, je sais, désolé, excuse-nous YouTube. C'est Basement 1, ouais, sacré Basement 1. Mais bon, on a utilisé la Reset Key, hein, c'est pour ça qu'on est surpuissant comme ça. Oh la Sacrifice Room, c'est quoi ce poulet? On peut y aller direct, hein. Changer le... On peut changer le premier en un Angel Room? On va tenter, hein, de toute façon. Ah oui! Oui, 100% d'Angel Room! Oh, le banger! On n'a pas eu la TP. On a la TP. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Alors le prisme, ouais, le prisme c'est fort, hein, ça peut nous faire des dingueries, mais... Bon, de toute façon on a la place, donc grâce à Birthright. Ensuite le bouclier c'est défensivement incroyable. Mais on a Wafer, donc je pense que c'est... Oui, c'est le prisme. Hein. Prends rien, t'as peut-être un reroll avant d'y aller. Non, c'est bon. Prismed.
Allez. On va retenter le 50-50, hein. Ah, bravo, ça. Superbe. Et l'argent, cette fois-ci. Hop. Shop first, allez. Ah oui. Bravo. Oui. Mes ennemis jurés, les mouches à merde. Ça peut troller chronomètre cassé avec le speed up, mais ça reste pas mal. Ensuite, immunité au cœur, c'est cœur noir, c'est bien aussi. Skip cette treasure room pour le planétarium. Ah, est-ce qu'on essaie de jouer un planétarium? C'est vrai que là, il est tôt. On peut prendre cette décision de skip toutes les items room et d'avoir un choix sur deux d'un planétarium craqué. Bourrer la machine. On a le temps, on a le temps. J'attends que le prisme soit à gauche. Je suis dégoûté. Super. Il y a des trous dans la salle. Ah bah c'est lui qui fait des trous dans la salle. La vie plus le sexe. Je passe un moment exécrable. J'ai pas besoin de dégâts. Je prendrai la vie volontiers. Donc skip objet. Allez. Toulou. Je pourrais jouer les Curse Room en vrai. Quoique je vole pas, donc c'est quand même un dégât total. Eh bien, c'est une Run the Beast. Comment ça? Pas du tout. C'est ici que ça se joue, le... On a pris le premier étage de Mother, calmez-vous. C'est pour ça qu'on... C'est ici que ça se joue, le miroir. Est-ce qu'on va skipper cet objet-là aussi? Méditer. Game Kid ou les sacs? Le problème c'est que ça prend un slot quoi, donc même si les sacs on aime bien. Ça sert à rien de skip ici parce que tu rentres dans la treasure room du miroir. Oh, vous êtes malins. Ils sont malins. Ah, ça fait plaisir d'être immunisé aux explosions parce que ça sent le boss qui pète de partout là. Ça sent l'arnaque. L'ermite. Oh, Lucky Coin. Hermite, Curse Room into Hermite. Le mendiant des charges. Ah, c'est vrai, par contre, j'ai le droit à un Space Bar item gratuit. Hmm.
Oh oui, oh le coup de pyramide là direct. Pyramid, you know. Lucky coin ou HP up? En vrai, lucky coin, non? Ouais, on va accumuler de la luck. Toulou. Bon bah c'est pas mal. Échelle de corde là. Bon vas-y on la prend du coup. Est-ce que Hémocléria ça serait bien? Dégâts plus 50%? Comment ça dégâts plus 50% plus 1? Ah oui, ensuite on a Kamikaze. Qui nous permettrait évidemment de. Bah de spam Kamikaze toute la vie. Merci à tous. On va pas taper le boss hein. Quoique c'est forcément le même boss non? Allez, ça se fait hein. Impossible de mourir hein, statistiquement. Hein. Je vois rien. Je me suis loupé. Que Dieu me pardonne. Au revoir. La picouse au lieu de la ceinture. Ou l'œil, ouais je peux enlever l'œil aussi. Est-ce que j'ai envie d'être à 1,60? Un peu rapide mais... Masque rouge avec pyromaniaque c'est bien, c'est vrai. Et je trouve un petit cœur bleu là, ça peut être tentant d'aller faire la curse room gratuite là. Bon, je vais la faire quand même, vas-y. Ah. Inversion. Oui, mais attendez, alors ça, ça va être le mal de crâne, non? Ça me casse les couilles. Prends pour la collecte. Non mais j'ai déjà eu. Ouais, dans le doute, vous avez raison. On va le prendre.
Quoi, pour une fois, elle se bloque pas? Ah, quand même. Je voulais gagner, je voulais garder un peu d'argent. Ok. J'ai pu voir Zen, non, j'ai vu que des extraits pour l'instant. Je regarderai. Ah oui, mais c'est pas grave. C'était pas grave. Parce qu'on pouvait récupérer derrière. On n'est pas obligé d'aller à la mine tout de suite. Mais allons-y quand même. J'ai bombe infinie en plus. J'ai eu 3 de luck avec la machine de don là. Ah oui, le scandale, 7. Putain, un petit ghost pepper là. Réglo comme build en tout cas. Oh, Momski, on aime bien. Oh, il y a cette merde. Non mais je peux pas. Si j'avais le sac à dos, oui, mais il est hors de question que je lâche mon kamikaze. Faut pas déconner. Momski, c'est fort, mais est-ce que j'ai vraiment envie de lâcher un truc? Ensuite, ça me donnera des coffres de Zinzito. Vous l'aimez pas cette carte, hein? Oui, elle est d'accord. Aïe. Et le planétarium, on l'a toujours pas? Je pense que je vais skip cet item room. Hein. On va vraiment forcer le planétarium. Petite sacrifice room là. C'est vraiment honteux. Oh le bait. Il y a deux pilules similaires. Quand il y a deux pilules similaires, normalement je fonce. Hein. Je fonce dedans. La tête baissée. Oh, bibliothèque. Ah, mais on a déjà beaucoup armes. Je veux bien y aller par courtoisie. Hein. J'y ai pensé à la Maggeton, mais non. Oui, pour retirer du pool, oui, c'est ça. J'ai pas forcément envie d'affronter un cavalier. Empereur, c'est cool. Ensuite, c'est utiliser les clés, quoi. Est-ce que je veux retirer du pool à ce point-là? Ensuite, on peut faire ça. Ah bah non, ça marchera pas. Je suis extrêmement déçu. Ok. Ah oui, Momski, et donc les coffres, c'est Gucci Gucci. L'œil de verre, n'est-ce pas? En fait, j'ai pas besoin de dégâts. Et Epic Fetus, enfin Docteur Fetus, j'ai pas envie de changer mon build en bombe. Hein. Ah mais quoi, qu'ensuite je suis invincible, je suis encore plus invincible avec Pyromaniac. Pyromaniac, Kamikaze, Docteur Fetus. Attends, je vais juste vérifier un truc. Hierophant. Ah, dommage pour la clé infinie, ça aurait été mieux avant. Ce
Skeleton Key. Oh, Shielded Tears. Ah, mais Shielded Tears, ça marche avec les bombes? Sinon, je prends les clés, hein. C'est juste 99 clés et le problème est réglé. Je pense que ça va être ça. La question, elle est vite répondue. Run confortable. Je suis presque déçu qu'il ait pété direct. Bon, on n'a pas eu 12 000 objets. Est-ce que je le prends, le familier de Lilith, et c'est le familier qui va me faire game over? Ça serait énorme. Ensuite, l'avantage du familier de Lilith, c'est que c'est un familier gratuit, c'est pas un familier pool d'objets. Enfin, qui va aller dans mes trucs. Allez, pour le beau jeu, bien sûr. Tiny Thomas. Oh, ça va. Allez, je bypass ma salle d'objets, on va l'avoir ce planétarium un jour peut-être. Je n'ai jamais vu ce boss. Eh ben, c'est toujours le cas. Bon, du coup, est-ce qu'on va quand même chercher un Sacred Heart ou une connerie comme ça? Ensuite, j'ai 12 milliards de cœurs, donc bon. On peut aller voir. Jetons un œil. Monnier, quoi? Oh, la succube. La succube avec 16 de dégâts, c'est sale. Sinon, je garde les cœurs. Ensuite, on a Wafer, faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on prendra jamais... On prendra toujours un demi-cœur. Donc, en vrai, là, je vais me retrouver à 8 cœurs parce que j'ai ça. Je peux prendre le succube, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on vient? Ensuite, je suis à 2 sur 3 de maman. Même si bon, la transfo de maman, c'est juste un couteau au cul, hein. Oh, Rift, non. Rift, c'est bait. Ah, Brimstone Bomb, ça serait incroyable, hein. Ça serait très très grave. J'ai un cœur blanc. Mais de toute façon, le cœur blanc, il va se valider quand je vais passer l'étage. Donc là, bon, c'est useless. Hein. Mais il y a le cœur, ouais, il y a le cœur bleu. La Brimstone Bomb, ça serait incroyable, c'est vrai. Bon, on va l'avoir, notre planétarium, quand même. On a skip deux salles d'objets, là. J'y crois. Oh oui. Toujours plus. Aïe. Petit sacrifice. Ah! Le voilà, le jus d'orange. Uranus, Uranus, des... Oui,
Les larmes de glace, c'est très fort. Mais est-ce que les bombes peuvent être glacées? Alors là. Vénus plus un cœur, soin complet, envoûte les ennemis à proximité d'Isaac. Bombe de glace, pour vous, ça marche? Vénus fort aussi, hein. Charme, un charme de proximité, un cœur rouge. Parce que si Uranus marche pas, il faudra attendre d'avoir des splash bombs, quoi. C'est vrai que la glace est un peu useless. Hein. Je vais prendre Vénus. Ah, mieux Vénus! En plus, j'ai un skin incroyable. Je crois qu'on peut virer relique, non? Oui, oui, on va virer relique. Notre but, c'est d'avoir 12 cœurs rouges. Nul et nul. Est-ce qu'on peut avoir des white bombs? Non. Merde, c'est quoi? Oui. Plus besoin de kamikaze. Alors en vrai, oui, c'est vrai que kamikaze là est useless. Hein. Faudra trouver un meilleur spacebar item. Qui aurait pu être télépathie fort de mise. Bon, c'est pas. Ah, mais il y a une sacrifice room. C'est honteux. Ok, Angel Room, nice. Dommage. Elle a un petit god item là. Ah, Rédemption, je crois. Je suis pas sûr de l'avoir pris en run encore. Pour la collection. Entrer dans l'antre du diable et ne toucher à rien d'autre. À rien donne un cœur d'âme et dégâts plus 1 au prochain étage. Oh, c'est à chier! Ah, c'est très grave, hein. Pour la collecte, hein. On peut jouer les 30 balles, hein. Le bone art en fait c'est incroyable. C'est complètement cheaté là. Dès que je me fais toucher, je spam kamikaze et je me soigne instantanément. Ils vont jamais toucher à mes cœurs. À mes cœurs bleus. Si c'est vrai, c'est très grave. Oh, il fait apparaître deux cœurs d'ours. Ah, le problème c'est que j'ai pas de quoi les... Faudrait que je perde mes cœurs bleus avant. Ouais bon vas-y, je vais garder The Emperor. Hein. Je pense qu'il faut arrêter les conneries. On est imbutable. Hein. Franchement si je perds cette partie, je relance plus jamais le jeu quoi. Attention c'est dit. Hein. C'est dit. La fondeuse. Bon déjà on va l'utiliser là mais... Donc là j'avale mon cancer. Je lâche kamikaze. Fondeuse ça peut snowball de manière marrante quoi. On peut absorber du trinket à l'infini.
Ouais, mais Kamika, c'est trop fort, oui, non, mais clairement. Pourquoi se faire chier? Couteau? Comment ça, couteau? Reroll machine. Ah oui, c'est gratuit, oui. Buddy in a box ou du Diplopia. Ah, Diplopia, il y a matière à faire des dingueries, mais... Qu'est-ce que je cherche, en fait? Conjoin? Non, mais pour avoir Conjoin, il faut que j'en ai trois en même temps. C'est ça, le problème. Ah oui, le couteau. Ah, vous parlez du couteau, oui. Ah, Diplo Polyphemus. Ah, mais ça va pas nerfer deux fois mes dégâts? Enfin, mais mon tier rate. Ah, double incubus. Ah, alors double incubus, là on parle. Oui, si je suis de retour au tier normal, c'est vrai. Je suis Vanilla. J'ai mes points de vidéo, merci. Jus de Jésus, c'est vrai que le jus de Jésus sert plus à grand chose. Jeu de jambes. Ah merde. Eh, pourquoi il a pas utilisé sa clé aussi, du con? Oh non, je vais perdre mon bonne heart parce que j'ai pas kamikaze. Les excuses à toute la commu. Oh non, je l'ai vraiment perdu. Mais pas à cause de... Pas à cause d'elle, à cause d'une mouche à merde. Pas grave, y'a hiérophante truc là. Je m'en fous, j'ai dit. He's ok. Alors. Non, je prends pas ça du coup. Mais est-ce qu'il y a un monde où je peux vraiment... Attendez. Voilà, merci. Eh ben non, oui. Je peux pas, enfin oui, il faudrait... Ah si, ce qu'il y a dans l'item room. Dans l'item room, il y a un truc que je peux laisser, c'est ça, oui. Dans l'item room, c'est pas un actif. C'est une merde. J'ai laissé une merde. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Oui, c'est bon, c'est bon. Incubus donc, hein. On va voir si ça marche. J'ai posé succube. Voilà. Ensuite, double succube, c'est rigolo aussi. Hein. Quand on se retrouve dans l'aura, ça fait super mal. Et sinon, on en a deux qui se baladent.
conjoint en plus. Attends, je vais juste tirer dans le... dans le... Ok, ok. Son et lumière, bien sûr. On a la lumière, on a la sono. Hive Mind, non, mais là j'ai quelques araignées, mais c'est un accident. Enfin, c'est sûr que les araignées c'est fou, mais non. Qu'est-ce que je pourrais attendre? Pas grand chose. Qu'est-ce que je peux attendre du shop? BFF, le blanquette, la blanquette de veau, on s'en fout. Bon, on se casse. Et si on se cassait? Si on se cassait! Oh putain, Trisagion. Et Trisagion, ça marcherait avec les fœtus. Ça ferait surtout bugger le jeu, non? Ah, le Graal pour voler? Pas con, hein, y a un cœur en plus. À la place de quoi? Vénus? Vénus, finalement, bon... On l'aime bien au village, mais... Eh ben nickel. On s'en va. Momski plus très utile. Oui, c'est vrai que bon, trouver des objets maintenant, allez. Faire. Tu prends pas la stat-up avec la médaille, c'est réel? Attention. Info chat. J'ai gagné du tier rate. Eh, hey, bien vu. C'est honteux. Mon Wayfair est vraiment utile, la preuve. Enfin oui, non, il est pas utile, mais... On pourrait être très honnête, de toute façon, maintenant, c'est imperdable. Enfin, ça l'est depuis un moment, en réalité. On se fait juste plaisir, quoi. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. C'est vrai qu'on avait dit une autre Erki. Si on a une autre Erki, on peut jouer à The Beast, hein, derrière. Réal, hein. Comme un gros dégueulasse. Merci à tous. Mais non, mais je voulais voir si... En fait, je... Bon, c'est pas grave. En fait, j'avais peur que, au lieu d'aller prendre les cœurs rouges, ça casse mon bon heart. Donc j'ai voulu kamikaze, mais je l'ai fait trop près. Mais c'est con, parce que je sais pas s'il y a un objet qu'on peut dropper dans la collection qui est juste unique au confessionnal. J'espère que non. Eh ben super. Oh la flemme.
Le petit nuage qui pue. Allez, on avance, hein. Bonjour. Oh, régénération en plus, oh, c'est une honte. Un void. Tout est nul, hein. Oh non, void en vrai, vu que je peux pas avoir d'autres objets, serait très fort. C'est juste que c'est tard, quoi. En plus, j'ai même plus Momski, donc la probabilité de trouver des objets est un petit peu... Quand même prendre void. Ouais, je peux pas spam Kamika, c'est juste ça me filait des stats up. Non mais vas-y, pourquoi on se fait chier? Bon bah du coup j'ai gâché un cœur pour rien. Mes excuses à toute la commu. Bah, pourquoi il est de retour, Fœtus? Bon père, ce prénom manque à d'air. En vrai, Guppy's Head, c'est rigolo, hein, parce que j'ai 13 de dégâts, mais bon, la flemme. Ah. Bonjour. Soif de sang. Soif de sang, c'est rigolo, parce que je peux volontairement la créer et me soigner derrière avec Kamikaze. Ah, c'était Epic Fœtus. Non mais on s'en fout, vas-y. Non mais Epic Fœtus, je l'ai déjà eu dans une autre... Dans une autre... Dans une autre run, c'est sûr, non? Spider mode. Oh, let's go. Je regrette mon Hive Mind, finalement. Bon. Que j'ai honte? Non. On n'a rien eu, c'est vache, eh. Oui, 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 oui. Ouais, Epic Fœtus. Non, mais je suis sûr que je l'ai eu parce que dans cette partie, on a eu la commencer avant le patch. Imagine, j'ai jamais eu Epic Fœtus. Parce que maintenant, il est que dans les Secret Rooms, Epic Fœtus. Non, c'est que là, j'ai eu la. Ça s'est fait comme ça, quoi. Assurez-moi. Doulouloulou. Vu. Touchez-moi. Merci. Uniquement secret. Ah putain, quel con. Mais j'étais convaincu que c'était Docteur Fœtus, je comprenais pas pourquoi il était revenu. Parce que rien que pour la collection, et ouais, j'aurais dû le prendre. Putain, si je l'ai pas pris, c'est une tannée cette histoire encore. Non, non, alors là... Ah, attendez. C'était potentiellement une room à moins 3 coeurs, hein. Moins 3 coeurs max. Ça fait plaisir, ça. Beaucoup de plaisir. Thank you.
Elle a été rajoutée de nouveau en treasure room il y a pas longtemps. Bon, bah, d'accord. J'ai plus The Emperor ? Oh du con. Moi qui étais en train de me dire que je vais faire The Emperor, ça va être une masterclass. Ah, j'ai gagné. J'ai posé plus de bombes que lui. Là, je me concentre vachement. Je suis très attentif à ce que je fais. Le gameplay est pixel. Ah, attendez, il y a un trick. C'est galère en fait. Je vais le kamikaze là. Ah mais attends, c'est vraiment galère si t'as Docteur Fœtus et pas kamikaze là, et pas le vol. C'était les couilles de papa, ouais, bien sûr. That is balls, you know. Passer. Ah, il y a une Ancient Recall. Attendez, il y a des cartes intéressantes potentiellement là-bas. Mais, du con. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a? Autoguidé. Full strength. Petit homing. Les petites bombes homing là sur Mom, sur Mother. Ça va être plaisant, je pense. Désolé, je voulais pas. En vrai, je voulais pas. J'aurais pu me faire 12 000 mouches. Festival de mouches. Soul of Bethany. Sympathique build. Bon bah tranquille hein. Dommage qu'on ait pas retrouvé une reset key. RNG défavorable.
Quoi, cul-de-sac? Oh non, le sketch. Okay. Jamais de chance, never lucky. Est-ce que je pense faire le préquel de Road 96? Mais faut déjà que je fasse Road 96 tout court. Je l'avais présenté, on avait fait le tout début, mais j'y ai pas vraiment. J'ai pas fait une run complète. Je crois qu'on avait fait la démo même à l'époque. Tu sais que le jeu a plutôt très bonne réputation. Je crois que le jeu est une masterclass. On a déverrouillé le sac de dés. Incroyable, bravo Isaac. Franchement, finalement gagner avec Tainted Isaac, c'est facile. Il suffit d'avoir Kamikaze, Docteur Fetus, deux Incubus, une Succube, Polyphème, une Erky. Et Birthright. Et Pyromaniac, bien sûr. 510 secrets, des bisous YouTube. À très vite, ça fait du bien de gagner.